Le livre de l'Exode, chapitre 24. Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. » Moïse s'approcha seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les règles. Le peuple entier répondit d'une seule voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis se leva de bon matin, construisit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya les jeunes Israélites offrir à l'Éternel des holocaustes ainsi que des taureaux en sacrifice de communion. Moïse prit la moitié du sang et la mit dans des bassins, et avec l'autre moitié il aspergea l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Nous y obéirons. Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec nous sur la base de toutes ses paroles. » Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un œuvre en saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il ne porta pas la main contre les personnes israélites. Ils virent Dieu, puis ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les commandements que j'ai écrits pour les enseigner. » Moïse se leva avec son assistant Josué et commença à gravir la montagne de Dieu. Il avait dit aux anciens, « Tendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Aaron et Hur vont rester avec vous. Si quelqu'un a une affaire à régler, c'est à eux qu'il devrait s'adresser. » Moïse monta sur la montagne qui fut recouverte par la nuée. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne aux yeux des Israélites. Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir la montagne. Il y resta 40 jours et 40 nuits.